coucou, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, épisode 41. On va aller voir Proa maintenant qu'on a terminé notre petite quête. Ah, ils sont tous là. Il manque un piaf. Ah, il est là-haut. Oui, il est là-haut, le piaf. Le piaf guette. Elle est où? Ah, elle est montée. Je pense qu'elle est montée vu que le piaf est là-haut. Si je faisais un vol... Fais ce que tu veux, mon brave. Pas de problème. Je sais pas où elle est. Elle doit être là-haut. J'espère. Ah, elle est là. Et voilà. Link, on m'a tout raconté. La tempête de neige chez les piafs, la savouroche qui rendait les gorons fous, la vase qui souillait l'eau pourtant indispensable aux auras, les Gerudo attaqués par les Gibdo et menacés par une brume de sable. Eh bien, tu as l'air d'avoir trimé dans cette enquête et je t'en félicite. Mais, vu que tu as aperçu une silhouette ressemblant à Zelda au cœur de chaque crise, je ne peux pas m'empêcher de penser que toutes ces calamités ont un rapport avec le cataclysme. Mais moi aussi, je dois te faire part d'une nouvelle importante. Pardon, j'ai pas pu couper mon micro. C'est la princesse. Il va falloir affronter Zelda. Link, tu l'as vu aussi, hein? Dis-moi que j'ai pas halluciné. C'est bien la princesse, pas vrai? Alors justement, je voulais te dire qu'il me semblait avoir aperçu quelqu'un qui lui ressemblait dans le château d'Hyrule. J'avais encore quelques doutes, mais maintenant, ça fait plus un pli. Et moi qui pensais qu'elle avait quitté le château, eh bien, je m'étais bien planté, elle était dedans, quoi. Bon, on va pas prendre racine ici, il faut qu'on aille sauver la princesse. Mais tant que le château flotte dans les airs, on ne peut pas l'atteindre, ni le soldat, ni moi. À part toi, je vois personne à qui demander tout compte fait. Attention, de base... Je sais que je te demande sans arrêt de te mettre en danger, Link, et j'en suis désolé, je t'assure. Mais vraiment, là, tu es le seul à qui je puisse m'adresser. Reviens-nous en un seul morceau, et avec la princesse, d'accord? Et ben voilà la fin des enquêtes régionales. Ça aura pris quasiment 50 heures. Bon, et maintenant, étrange phénomène au château. Il m'envoie sur ça. Prince de tête apparu sur... Il faut que j'aille au château, Mais j'ai rajouté un cœur, hein, mais j'ai pas assez de cœur en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est compliqué de dire, la tablette pour acheter des photographies qui manquent à votre collection. Non. Activez la mettre. Ah oui, mais ça, attends. Si vous collectez données cartographiques de 15 tours. Comment ça se fait? J'ai pas 15 tours, mais j'ai toutes les tours moi. Attends, ça je l'ai pas? J'ai fait toutes les tours, non? Il n'y a pas 15 tours. Comment ça, 15 tours? C'est-à-dire qu'il y a des... Non. Les tours, c'est bien les tours de cartographie, on est bien d'accord. Les tours d'observation. De toute façon, ce qu'on va faire là... en fait, je sais pas. Il faut que je chasse. Ah, c'est vrai, j'ai pas chassé encore. Il faut que je cuisine des plats pour les profondeurs. Pour me remettre du soin et supprimer les effets des miasmes. Cartographie, c'est bon. Elle peut encore évoluer. Alors qu'on est... Les téléportations, vas-y. Ah bah c'est bon. C'est le troisième point, c'est ça? Toutes les omelettes pour en aventurer une telle trame, c'est une récompense plus que méritée. Mais bien sûr...
Victoire, ta tablette Pro est à présent terminée, donc parfaite, ce qui signifie que tu es parfait. Et ce n'est pas une hyperbole. Te revoilà parfaitement équipé pour retrouver la princesse Zelda. D'ailleurs, quand tu la retrouveras, tu ne manqueras pas de lui expliquer à quel point ma tablette Pro aura joué un rôle crucial dans l'affaire. Mais bien sûr, je dirai, t'inquiète pas. On lui passera le bonjour à Zeldouille. Alors, j'ai bien envie de faire ça. Ça, c'est l'île qui est... attends, c'est quoi ça? Ah non, 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 non. Ça, c'est un truc bizarre, ça. Non, ça, c'est un truc bizarre, ça m'intéresse pas forcément. C'est celui-là que je veux faire. Le sanctuaire céleste. Ah, je croyais qu'il était là. Il est où, ce sanctuaire? Hein? Ah, oui. Ah, non, mais c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Bon. Je sais pas quoi faire. Vous trouverez des gemmes si vous lui apportez 10 unités d'ambre brute. Ah, mais attends, l'ambre, je l'ai vendu. Je savais pas que j'avais une quête sur l'ambre. J'ai vendu mon ambre pour acheter une tenue. Je crois que j'ai tout vendu. L'ambre, j'ai tout vendu. J'ai plus d'ambre. Bon, attends, qu'est-ce qui nous manque là? On nous manque une arme. Le bâton ressort. C'est quoi cette horreur? Pourquoi bâton ressort? Pourquoi il y a un ressort dessus? C'est quoi cette horreur? Bon. Ok, alors, ce qu'on va faire. Vu qu'on a fini la quête des Gorons, on va aller voir chez eux. Je pense qu'il y a un truc à faire chez eux. À valider au moins la quête. Chez eux, je ne l'ai pas fait encore. Je ne suis pas retourné chez eux. On va aller chez les Gorons. On va voir ce qu'on peut faire. Et on verra en fonction... On verra bien ce que ça va donner, cette histoire. Alors, le village des Gougos, des Rorons, le village des Gorons, il est là-bas. Ah, là, il y a le papy Goron, non? C'est le papy, ça, ouais. Ils sont en train de discutailler. Ah, ben voilà. Au fait, je me suis souvenu de quelque chose à propos de la dame Zelda qui me manipulait. Quand on est allé extraire de la save aux roches sur le flanc nord de la montagne de la mort, elle m'avait dit de ne pas m'approcher des étangs lézards, mais elle m'a pas dit pourquoi. Ça alors, que toi tu parles des étangs lézards, je me serais jamais attendu à ça. On les appelle aussi les frères lézards. Le grand frère protège le trésor, le petit frère veut le voler, les frères lézards se regardent autour du trésor. C'est petit orange, mais... Et puis soudain, le matin de la mort est entré en éruption. En 20 ans, il y avait de la lave partout. Et puis j'ai complètement oublié la chanson et cette histoire de trésor, mais ça me donne envie de me remettre à la recherche tout ça. Si je me souviens bien, c'était du côté du flanc nord de la montagne de la mort à mi-hauteur. Et comme il y a la mine de Yun ici, ça sera facile d'y aller en wagonnet. Le trésor de l'étang lézard. Bon, alors, on va essayer de faire ça du coup. Donc j'ai acheté la tenue complète, voilà, anti-feu, tenue anti-feu complète, je me dis que ça peut être pas mal, ça a l'air insupportable quand même. Ok, alors attends, qu'est-ce qu'il m'a raconté ce fou là? Boudou vous a pris les étangs lézards, une chanson enfantine, le grand frère protège le trésor, le petit frère veut le voler. Ah, il y avait... Attends, ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit... J'avais vu une fois... Ah, voilà, là. Ça doit être là. Ça doit être par là. Dans cette zone, ça doit être, je pense. Alors, le grand frère protège le trésor. Ces étangs se trouveraient à mi-hauteur de la montagne de la mort sur le flanc nord. À mi-hauteur de la montagne de la mort sur le flanc nord. Donc ça doit être... Ben c'est ça les étangs lézards. En fait... Je sais pas s'il faut aller directement sur le lézard. On va se mettre direct sur le lézard. On va faire un truc. C'est qu'on va essayer d'y aller... le plus rapidement possible. Ah ben il y a un TP là. On va aller là. On va voir ce que c'est.
aucune idée de ce que ça peut cacher, cette histoire des lézards. Oui, ça, je les avais vus quand on a dévoilé la map. C'est vraiment le truc qui te saute aux yeux. Et il y a aussi ça en haut à droite, là. Bon, on verra ça. Je pense qu'on a un peu de temps devant nous pour visualiser tout ça. Ah, il peut pas grimper? C'est quoi cette ingénuité, Engine? Qu'est-ce que c'est? Ah. Oui, c'est vrai. Ah, il y a une biche là. Je chasse. Par contre, j'ai plus de flèches, je crois. J'ai plus de flèches là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est ça de l'étang lézard? Oh, attends. Est-ce que c'est au niveau de l'étang en lui-même ou bien au niveau plutôt de l'entre-deux? À la base, moi j'aurais plus dit entre-deux. Caillou. Alors, on va relire ça. Le grand frère protège le trésor, le petit frère veut le voler, les frères lézards se regardent autour du trésor. Ces étangs sont le grand frère regarde le trésor, le petit frère veut le voler. Ce qui est le grand, ce qui est le petit. Donc ça doit être là. Bonjour. À la base j'avais dit ça, mais bon. Ah. On va pas galérer. On va pas galérer, on va faire ça. On va voir ce qui se trame là-dedans. Il y a un trésor ici. Espadon de sonium surpuissant. Alors ce qu'on va faire, on va directement rajouter du sodium. Donc j'ai quoi moi? Qu'est-ce que je peux rajouter? Je vais mettre ça. Peut-être que depuis le début je me trompe sur ça, mais bon. Là je suis à 15. Plus 28. Plus 28. Et là ça me disait... Plus 18, ok, bon. C'est pas encore très clair pour moi tout ça, mais bon. On fait ce qu'on peut. Là, y a un sanctuaire là, mais je vois rien. Ouais, surtout un gros squelettos. Un gros squelettos là. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié un truc, c'est que ces zigotos, quand ils meurent, il faut absolument qu'ils me fassent mal. Ils peuvent pas mourir en silence. Alors moi j'avais mis un point ici, mais c'est pas là. Par contre, le sanctuaire, on l'entend plus. Pas attraper ces bestioles, non. Il y a la bestiole là qui va se réveiller. Pas très envie. Alors là. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Oh, c'est qui ça? Vous êtes quoi, vous?
C'est pas le moment là, qu'est-ce que tu nous veux? On est en pleine intervention là, tu vois pas que tu nous... Oh, mais tu serais pas Link? Ah, mais si, c'est bien toi. Est-ce que tu t'en remets? Je suis Tolu, on s'est croisé au château d'Hyrule quand on cherchait la princesse Zelda. Mais t'es venu nous aider ou quoi? Bon, bah, on avance pour éliminer les monstres qui ont élu domicile là-bas. On commence par s'approcher de leur antre et après on lancerait une attaque groupée. Si ça te dit... Mais vas-y, je me joins à vous, il n'y a aucun problème, les boys. Moi, j'arrive, je suis là, regarde. Voilà, je suis là, hop. Tac. Hop là, c'est bon. J'ai combien de flèches? J'ai 4 flèches. Par contre, le chef à cheval, c'est pas le plus pressé. Bon, on était parti sur un truc et on repart sur autre chose, comme d'habitude. Ça change pas. Il va où? Ah, c'est ici. Je m'en donne alerte. J'ai envoyé les premières attaques. Allez, boum! Je vous laisse attaquer, hein, si vous êtes tranquille, hein, c'est vous. Horde de monstres. Ah! J'ai une arme qui est une arme à deux mains, donc c'est un peu long d'attaquer, mais. Mais c'est bien. Il faut avoir. Je suis trop long à attaquer en fait. Il a sauté, ce fou. Aidez-moi, hein, par contre, je veux pas faire tout seul. Si vous voulez. Voilà. Terminé. C'était le dernier, on les a tous zigouillés. Mais bien sûr. Merci à tous pour vos efforts. Vous êtes très. Merci à toi, Link. Et maintenant que je te tiens, t'aurais un moment à m'accorder? Ah. Hey. Tu nous as sauvés, Link. Je sais pas comment te remercier. J'avais entendu que tu parlais d'une épée spéciale, mais elle a rien d'impressionnant vu d'ici. Peut-être qu'en fait, tu la portes pas aujourd'hui. Ah, mais c'est pas l'habit qui fait le moine, tu me diras. Bref, excuse-moi. Et voilà la récompense. Elle est où l'épée spéciale? Mais sans rubis, ça je veux. Maintenant, on va se diriger vers le grand pont d'Akala dans la région du même nom. Au nord-est d'Hyrule. Peut-être qu'il va me dire où est l'épée spéciale. Pacification d'Ordain. Pacification d'Akala. Ok, on va tout pacifier. On est des pacificateurs, nous. Alors, je ramasse déjà tout le stuff qu'on m'a gentiment offert. Attends. Faut tout ramasser, faut essayer de rien laisser. C'est vrai que j'ai pas de flèches. Il va falloir que j'aille acheter des flèches. Il faut que je me remette un coup de vie aussi. Parce que j'ai plus de vie. Je prends les lumos. Bon, j'en ai beaucoup des lumos, mais. Mais je prends. On sait jamais. Je pense vraiment que là j'en ai trop des lumos, mais bon. Un peu le problème de ce jeu, tout ce qu'on te donne, tu le prends. Ambre brute, ça me va. Topaz. Non, rubis. C'était du rubis de l'ambre, ça me va aussi, toujours. L'ambre, moi, ça me va toujours. Hein.
C'est pas ce qui se vend le plus cher, certes, mais j'en ai besoin. J'ai une quête qui demande de l'ambre brute, donc... Quand il y en a, on prend. Deux ambres brutes, ça c'est bien. Ça c'est pas mal, ça. Les lumières géantes, c'est les meilleures, c'est sûr, mais... On n'en trouve pas à tous les coins de rue. Alors... Ce que je vais faire une stratégie. Alors, on va dire, on va essayer de cuisiner un truc. 1, 2, 3. Je vais mettre que des recettes pour les profondeurs, hein, finalement. Ça a l'air, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est les plus intéressantes à faire. Pour virer les miasmes. Graine lumos géante. Mais c'est ça qu'on veut. Alors, attends, ce qu'on va faire. Ah oui, non, je vais changer la quête déjà. Pacification d'Akala. Voilà, pacification d'Akala. C'est ça qu'on veut. C'est par là. Alors, ce qu'on va faire, je vais recharger la vie. En fait, j'ai pas envie d'utiliser de la bouffe à chaque fois. Donc, je vais recharger la vie. Et puis, on y va. On va pacifier Akala. C'est un peu long cette stratégie, mais ça me permet de pas manger des recettes, de recharger, d'aller au petit matin, éviter la nuit et les monstres subsidiaires qui vont subsidier, on connaît. Et puis voilà, ça sera sympa. Hop, donc direction Akalouille. Akalouille. Ici, là, c'est où le plus proche? Là, il y a une tête de mort, ça veut dire qu'il y a un méchant pas beau ici. Sinon, j'aurais pas mis de tête de mort. On va aller par là, on va s'envoyer en l'air. On va s'envoyer en l'air. Donc là, en fait, finalement, il nous reste le plus gros à faire, c'est-à-dire d'aller trouver, d'aller au château, quoi. D'aller au château et trouver certainement Ganon, où on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais c'est ce qu'il nous reste à faire, là. Sur la quête principale, on pourrait, en fait, avancer... Oh. On pourrait avancer la quête principale, si on voulait, là, y aller directement... Je vais pas dire finir le jeu, mais pas loin, quoi. En tout cas, s'approcher grandement de la fin du jeu. Attends, juste un truc, là. Au niveau de la tenue, on va mettre celle qui est le plus avancée. Voilà, on a 36 de protection. Où c'est eux là, ça doit être eux. Allez les gars, je suis là. Je suis avec vous les potes. Une belle brochette de bois. Ah, j'ai pas acheté des flèches. J'ai oublié d'acheter des flèches. Strike! Je sais pas s'il y a eu des dégâts.
dégage. Par contre, faudrait, ça serait bien que je récupère un peu des, du stuff. Ah ouais, pas qu'ils tombent tous, quoi. Ça, c'est pas cool. S'ils tombent tous, ça va pas le faire, les gars. Je vous le dis direct. On va pas être amis. Il y a trop de monde. En fait, j'essaie de les faire tomber, mais dans le bon sens. Je veux pas qu'il tombe. Lui, il est chaud, lui. Les blancs, c'est des pierres. Il reste. Bon. Je vais péter toutes mes armes, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà, ça dégage. Il en reste encore ? Non, c'est bon. Il a tout zigouillé, mais bien sûr. Ah oui, on peut reprendre tout le dialogue. Ah ouais. J'avais jamais appuyé sur Y. Je crois que j'ai venu à la maison de faire une pause. T'as déjà vu une lune de sang quand l'essai devient rouge écarlate et on se revient à la vie. En gros, on n'est pas prêt à se battre. Après, on serait tranquille si t'étais avec nous, mais ok. Sur ce, je vais te laisser. J'espère qu'on se recroisera sur le champ de bataille. Ah, il me parle pas de l'épée, je sais pas quoi là, dommage. Dommage, dommage. Je pensais qu'il allait me parler de... Parce qu'il y a le bois là, tu sais, le bois... Je sais plus comment on appelle ça, le bois perdu, je crois. Il y a quelque chose à y faire là-bas, mais je sais pas quoi. J'y suis allé une fois, mais j'ai aucune idée de où, de ce que je dois faire. J'ai pas d'idée de ce que je dois faire. Là-bas, c'est le dragon, ouais, le dragon électrique. J'ai pas d'idée de ce que je dois faire, donc... Si on m'aiguille pas, je trouverai pas. Ah mais ça c'est saoulant ça. Ah vraiment hein, c'est le truc saoulant dans ce jeu, c'est la gestion des PNJ. Qui est... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils nous collent en fait, ils nous suivent comme des... Je sais pas pourquoi ils nous suivent, c'est bizarre. C'est bizarre mais bon. Qu'est-ce que tu veux? On va se recharger. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, je pensais que ça aurait été plus long. Une quête un peu plus longue, mais bon, ça... Apparemment, ça suffit. On va se recharger encore une fois. Et puis, on trouvera un truc à faire. De toute façon, il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas par où commencer. Ah, on va aller au... On va essayer de refaire la quête. Maintenant qu'on a le Goron, donc on a une stèle en plus. On va essayer de faire ce truc-là. Essayer de comprendre l'histoire du dragon là qu'on avait vu. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Tu regardes le ciel. C'est bien. Faudra que je trouve... Ah, d'ailleurs, ah, ça, c'est vrai qu'on avait trouvé un sanctuaire. Faudra que je trouve des sanctuaires. Hein. Faudra faire un max de sanctuaires aussi. Il y a plein de choses à faire. Mais là, c'est un peu le pire moment. C'est parce que tout est disséminé un peu partout. Et tout n'est pas très clair non plus, donc... voilà, c'est cet endroit, cette zone-là. Les bois perdus. Ouais, c'est ça, c'est les bois perdus. Je sais pas trop comment... Je sais pas quoi y faire. J'essaie d'y aller, mais à chaque fois, je me perds. Je sais pas c'est quoi la route, la bonne route. Donc nous, on va aller là. On va aller là. Il y a une stèle en plus qui a apparu, sûrement. Faut trouver...
Faut résoudre l'énigme d'une des stèles qu'on n'a pas fait et en faire une autre. Qui sera toute nouvelle. J'ai pas essayé de regarder la map, c'est vrai. Peut-être qu'il y a un indice dans la map. Donc là, il y a une nouvelle stèle qui est apparue. Pour notre Goron. Alors. Tu as trouvé le lieu indiqué par la stèle? Ah, je comprends, subtil. Bien joué, mon fidèle assistant. J'irai inspecter les lieux dès que possible. Donc, il y a celle-là. Exécute la technique secrète du sage de la foudre à la pointe du long corps. C'est pas ça. Celui-ci doit être bien plus long que la... Celui-ci doit être bien plus long que la normale. Par contre, cette histoire de mont funeste, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Le sage de l'eau, ça c'est fait. Sage du feu dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Exécute la technique secrète du sage du feu dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Deux dragons, ça m'évoque vaguement quelque chose. Il y a peut-être un indice dans les ruines. Entre les deux dragons, voilà, une nouvelle quête qui se lance. Bon. Alors, entre les deux dragons, à la pointe du dragon, on a plusieurs choses à... Plusieurs... plusieurs quêtes là-dedans. Est-ce qu'on voit les dragons là-haut, entre les deux dragons? Là, je suis sur une tête de dragon. Est-ce que ça se voit? Non. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Du coup, forcément, tout le monde ressort de son trou. Attends, attends, lui, il va me casser la tête, lui. Il faut une vraie arme parce que là, ça va pas être possible. C'est bien qu'il lâche son arme à un moment donné aussi. J'ai encore oublié d'acheter des flèches, hein. C'était un major. Il y aura moyen de faire une belle arme avec un major. Alors là, par contre, ça, c'est vraiment des... C'est de la fouille, là. C'est de la fouille minutieuse. Il faudra beaucoup de minutie. Quel est cet endroit là? Quel est cet endroit? Sanctuaire à proximité? Ah bon? Il y a un sanctuaire ici? Ok. Je vais bien te croire, hein, mais... Alors, il y a un sanctuaire par là. Ça, c'est quoi cette horreur? Ça c'est bizarre. Cette zone, elle est bizarre. Est-ce que j'ai déjà... Non, je l'ai pas faite, celle-là. Non, non, non. Alors. S'il vous plaît. Ah, il m'en reste deux. Exécute la technique secrète du sage du feu dans l'espace entre les deux dragons de la tête vers la queue. Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. L'espace entre les deux dragons, mais il y en a pas. Quels deux dragons? Oh, ça va être une énigme complexe. De la tête vers la queue. Ah, il y a un Korok planqué là, on verra ça plus tard. Dans
espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Il y a une histoire de long dragon aussi. Ce serait pas lui? Attends, ce serait pas lui? Lui. À la pointe du long corps de dragon qui garde le mont funeste. À la pointe du long corps de dragon qui garde. Ce serait pas lui? Mais pas toi. Oh là là. Vous vous ressemblez tous aussi. Ah oui, si je fais n'importe quoi, ça marchera pas. J'ai plus que deux flèches. À la pointe du long corps. Ah, le long corps. C'est peut-être à la pointe du long corps. Long corps. Donc là. Là. Ah, là, là, là. C'est là le long corps. Mais dégage-toi! Oh là 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 là! Je peux pas le cacher parce que j'en ai trop besoin de lui. Mais. Je me trompe encore. Hein. Eh ben voilà! Résolu. Une énigme résolue. Ça fait plaisir. Tant mieux, j'avais plus beaucoup de flèches. Là, j'avoue que ça m'arrange beaucoup. Trois topazes. Voilà, à la pointe du dragon. À la pointe. Il y en a sur la pointe de la technologie. Et il y en a sur la pointe du dragonou. Donc ça c'est bon, il m'en reste un. Le dernier, le goron. Le goron, le goron, le goron, le goron, le goron. Il y en a trop. Entre les deux dragons. Maintenant c'est une histoire de entre les deux dragons. Bon. Donc le mont Funès, c'était bien la montagne de la mort, là. C'était bien ça. Le mont des gogos, des rorons, des gorons. Alors, entre les deux dragons. L'indice principal, c'est vraiment ça. C'est entre les deux dragons. Alors là, il y a des dragonous de partout, des grosses têtes de dragons partout. Ça doit pas être ça. Oh, c'est quoi ça? Pas toi, bien sûr, non, non, non. C'est bon, on a récupéré des flèches entre les deux dragons. Oh, attends. Entre les deux dragons, alors, il y en a un ici. Il y aurait un deuxième quelque part. Mais ça m'énerve. Ah, ce truc qui m'énerve vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. À quel point c'est mal fichu. C'est cramé un peu. Voilà.
tout ramasser. C'est bon. Entre les deux dragons, on recommence notre... Il avait pris une branche, il essaie de m'attaquer avec une branche quand même. C'est plutôt pas mal. Entre les deux dragons. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre dragon là? Ah là! Là, ici. C'est ici. De la tête vers la queue, c'est ici. Là, j'en vois ici. Il y a le chemin qui est tracé. Goron vient là. C'est parti. Au revoir, merci. Et voilà. Terminé. Une enquête résolue. Voilà. Entre les deux dragons. Alors, entre les deux dragons. Donc ça, c'est la quête totale. Que j'ai fini la quête, là. C'est parfait. Du topaz. Du rubis. Le rubis. Ah, c'est bien, le rubis. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, le coffre ultime. Oh, un sanctuaire, peut-être. Où est cet endroit? Fouille des ruines, fouille des ruines des obscurs. Où est cet endroit là qu'ils m'ont mis? C'est où? Attends, attends, parce qu'ils m'ont ouvert un truc, mais c'est où? C'est où cet endroit? Ah ouais, mais non, mais là je vois pas où c'est. Ça par contre c'est pas sympa ça. Il t'ouvre un endroit mais tu sais pas du tout où c'est. C'est où? Oh là là. Non mais non, faut chercher cet endroit. Non mais ça c'est pas bien ça. Ah non mais je peux pas deviner où c'est moi. Ah, va falloir chercher encore. Au secours. Au secours. Non mais ça c'est pas bien ça. Ah, ils auraient dû au moins mettre un marqueur et me dire où aller, parce que là... Attends. Sauf si... Ah ouais, non. Ah, faut peut-être juste... Ah non, c'est bon. Attends, attends, attends. Le marqueur, il est. Pardon, j'ai rien dit. C'est à moi d'activer la quête. Non, ça va. Ça va. J'ai rien dit. Ah, je pensais qu'il fallait trouver au hasard. C'était... Parce que là, c'était bizarre, leur truc. Quoique... Que se passe-t-il? Oui... Ouais, j'ai terminé, mon pote. Venez du cœur des ruines, tu l'as entendu toi aussi, mais bien sûr. Tout ceci me dit rien qui vaille. Que s'est-il passé dans les ruines? Bon, ça va, il me montre où je dois aller. Bon, je pensais qu'il faudrait fouiller au hasard. C'était où? Par contre, c'était où? C'était où, s'il vous plaît? Oui, c'est pas là. C'était où? Oh là. Oh. Ah là. Ça doit être... C'est ça? Ça doit être ça. Ils me l'ont pas marqué, ils m'ont juste indiqué à peu près où c'est. Voilà. Oh, il y a une stèle. Ah, un coffre déjà. Allez, 10 diamants. Longue épée crépusculaire. Cette épée de grande finesse appartient au royaume d'Hyrule depuis la nuit des temps. Sa lame brille d'une mystérieuse lueur. Ah, c'est quoi cette épée? Quelle est donc cette mascara? On va virer ça du coup. Hey, eh, assistant, es-tu là? Tout ceci était dissimulé sous les ruines, absolument incroyable. Regarde-moi cette stèle, c'est toi qui l'as trouvée? Pour que quelqu'un ait pris la peine de la cacher dans un endroit pareil, c'est qu'elle doit être drôlement importante. Ça y est, j'ai le cœur qui s'emballe. Allons, voyons un peu ce qu'elle raconte. Au dévouement et à la loyauté, en scellant le roi démon, le roi Roru a rétabli la paix sur ses terres. Le roi Roru, sceller le roi démon?
Le tout premier roi d'Hyrule, celui des légendes. Et cette référence au roi démon qui a été scellé, il s'agit du récit de la guerre du sceau. Oh là là, j'en ai des sueurs froides. Continuons. Au moment d'engager l'ultime bataille, les sages détenteurs des pierres occultes étaient à ses côtés. Quatre d'entre eux étaient des enfants d'Hyrule, ces guerriers loyaux avaient répondu sans délai à l'appel de leur roi. Ce monument a été érigé pour exprimer la gratitude éternelle du peuple d'Hyrule envers ces quatre valeureux héros. Je vois donc ces ruines sont les vestiges de constructions bâties en l'honneur des sages qui ont combattu aux côtés de Roru, le premier roi d'Hyrule. Ce sont des Iliens qui les ont édifiés par la suite. Et c'est pour ça que les inscriptions des stèles que j'ai trouvées sont en alphabet hyrulien. C'est une découverte capitale. Qui aurait cru que ces ruines oubliées et pleines de mystères renfermaient une telle révélation? Je vais rester encore un peu ici, le temps de tirer les informations possibles à Estelle. Ils vont jamais me croire au camp de recherche de Cocorico quand ils vont voir mon rapport. J'imagine déjà leur tête. Ah, ça va être mémorable. Oups, je ne t'ai même pas donné ta récompense dans tout ça. C'est grâce à toi que j'ai pu élucider tous les mystères de ces ruines. Merci, grand orbe des... Ah oui, d'accord. Ah, batterie, ça j'aime bien. Après, vas-y, encore. Ah, voilà, un diamant. Encore, vas-y. Vu que tu es venu t'aventurer dans ces ruines, tu dois aimer ce genre de relique, non? J'ai mis de côté ce dont j'avais besoin pour mes fouilles, alors je te donne ça pour marquer le coup. Moi, je vais encore rester ici un petit moment. Si tu veux te replonger dans les temps ancestraux, repasse me voir, prends soin de toi sur la route. À bientôt. Fouille des ruines des obscurs. Si. Bon, ben voilà. Une quête déterminée. Bon, ben ça ne nous avance pas sur le comment dire sur cette zone de la carte ici. Ça me dit pas ce que je dois faire, mais bon, ça m'a attends, il y a une entrée là, je l'ai pas pris cette entrée. J'ai deux épées qui sont de ce style là, celle là aussi, épée pardon de soldat. En fait, c'est des épées qui n'ont pas été bouffées par le miasme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ces épées-là? Est-ce que je peux rajouter quelque chose qui les rendrait complètement indestructibles? M'étonnerait, mais... je sais pas, ça se casse, les codes de Gibdo, là. Compte de problème d'argent. Bon, vous savez quoi? Ah, je sais ce qu'on va faire. Attends, il y a un truc que j'ai pas fait. Terminer la quête des fées. J'ai pas fini la quête des fées. Pourtant, c'est important de le faire, ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? C'est le jeune Piel est à la recherche d'une cité du nom de Gorondia où les Gorons vivaient autrefois. Il aimerait emprunter les rails à bord de son wagonnet, mais celui-ci refuse de bouger. Ah. Un grand fossile d'Ordain. Vous avez rencontré Lucas Prédurné, elle adore les choses anciennes. Hein, elle se rend à Ordain pour admirer. Fossile de baleine. Super, baleine. Passion déco. Passion déco, non mais sérieusement. Est-ce qu'on a une tête à faire de la déco? Le caravanier disparu. Le caravanier à la barbe touffue, c'est pas ça. Attends, l'effet, c'est fini ou pas? L'effet, je sais pas si on a fini. On n'a pas fini l'effet, il en reste encore. Quête de vérité. Le cuisinier, ok, hein, s'en fout. Hein. Moi, je veux la quête de la fée. Sinistre champ, c'est pas ça. L'île célèbre du prélude, c'est pas ça. Message des temps anciens. 13 stèles, ouais, c'est pas ça. Grand Kuga, hein. Ah, c'est bizarre. C'est où les fées alors? C'est ce qu'on va faire. Pour l'amour des puits. La gorge profonde est oubliée dans laquelle vous avez retrouvé couché une grande statue d'Hadès. Retournez voir la statue d'Hadès de la source de la force pour l'en informer. Eh ben écoute, on va faire ça. On va essayer d'éliminer les quêtes secondaires petit à petit. J'essaie d'éliminer les quêtes secondaires histoire d'avancer un peu. Là j'en ai trop, il y a trop de quêtes qui sont lancées, je les ai pas faites au fur et à mesure.
serait peut-être temps de s'y mettre. Allez, on y go, hop. C'est quoi ce truc? Oh, j'avais jamais vu ça. Je l'ai marqué, lui. Ça m'intrigue, ce machin-là, là. Ça m'intrigue. En tout cas, de loin, ça a l'air d'être une zone à aller voir. De près, je sais pas. Donc si on arrive à avoir encore 4 lueurs, on sait jamais, parce que là, ça a l'air d'être un peu compliqué de trouver des sanctuaires si je mettrais des... J'augmenterai l'endurance. Là, ça va devenir, ça commence à devenir important d'avoir plus d'endurance. Ce serait bien d'en avoir un peu plus. Alors, on y est. Allez, go. Voilà, on informe la fée. La statue matriarche s'est couchée. Ô chevalier, c'est une terrible nouvelle. Je t'en supplie, je dois nous aider à restaurer la statue matriarche. Trouve hors drac l'esprit écarlate qui parcourt les cieux revêtus de flammes. Apporte une perle. Une griffe d'or... Attends, une griffe d'or drac. Ah, mais j'en ai pas, moi, des griffes. Je crois que j'ai pas... Attends, griffes d'or drac. J'ai des écailles, j'ai pas des griffes. C'est une griffe acérée, flamboyante, que l'esprit éclatant arbore au bout de ses pattes. Il est périlleux pour les mortels de s'en approcher. Transperce-le de loin et un fragment... Ah ouais, mais j'ai pas ça, moi. J'ai pas... Je savais pas qu'ils voulaient des griffes. Oh lolo, ils veulent des griffes. Moi, j'ai pas de griffes, moi. En plus, quand j'ai pris les perles, je me suis dit, je vais le prendre, j'en aurais besoin, mais... Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ça marche pas. Alors, attends. Je voulais voir un truc aussi. Du coup, on va faire ça. Il y a une profondeur, je pense, que j'ai pas encore pris. J'aimerais bien aller voir ce qui se cache là-dedans. Là, c'est là à gauche, là. Je crois que je suis pas passé par là encore. On va aller voir ça. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Oh, ça doit être celle-là. Je pense que c'est ça. Ah, c'est ça. Les dragons, j'en vois plus. Hein. À un moment, je les voyais tout le temps. Là c'est terminé. Oula, je vais où, là. Là, c'est terminé, je vois plus rien. Il se cache. Il se cache. Donc, les dragons, ce qui est sympa, c'est qu'ils font en fait le tour. Ils passent par les profondeurs, ils remontent, ils ressortent. Et quand on se téléporte, ça, ils continuent leur chemin. Ça, c'est cool. C'est comme ça que j'ai eu plusieurs dragons, d'ailleurs. En me téléportant de haut en bas, de haut en bas en haut. Et il y en a quelques-uns que j'ai eu comme ça assez facilement. Mais j'ai pas pensé à viser les griffes parce que je savais pas. Je savais pas qu'il y avait une différence avec les griffes et. Allez, on y va, on plonge, on n'a pas le temps. Attends.
Ok, on voit rien du tout. Elle est là. Ah, ça j'aime bien ça. Ça, il y a des gigas par là. On se pose sur leur crâne. Par contre, j'ai pas cette flèche. Bon, je vais mettre un œil. Je vais mettre juste un œil. Tac, tac, j'espère que j'en ai. Normalement, j'en ai, mais. L'inventaire de l'angoisse. L'inventaire de l'angoisse. Ah! Waouh, putain, sérieux. Voilà. L'inventaire de l'angoisse. Il est angoissant cet inventaire. Il est très très angoissant cet inventaire. On ramasse tout ça, merci, au revoir, merci. Pas mal sa petite voiture là qu'il a faite lui. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça. Ah tiens. Il a rien cassé. Il a rien cassé, c'est l'angoisse. Il est où mon brise Ah, je l'ai cassé. Fallait m'avertir, les gars. Fallait me le dire que j'avais tout cassé. Ah, il y a une flèche là, non? Ouais, il y a une flèche. On va quand même lire ce qui raconte là, nos amis les Yiga, mais bon. Pas forcément très très intéressant non plus en général. En tout cas, jusqu'à maintenant, on aurait pu s'en passer, clairement. Juste en dessous des ruines de l'amphithéâtre, un édifice imposant qui lui ressemble beaucoup a été découvert. Et cet édifice n'est pas unique sur ces terres. Selon les rapports, au moins 6 auraient été découverts. Il y en a un près d'ici, très profond sous la forêt Korogu. Ayant entendu dire que des cris de monstres en émanaient, un membre passionné est allé en mesurer son courage. Depuis, apparemment, plus personne ne l'a aperçu. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Gloire au grand Koga. Ah ben pour une fois, il y a un truc intéressant. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Allez, ça fait combien là? Ah oui, j'ai rajouté aussi deux morceaux de batterie. J'en ai profité pour le faire. Alors, l'assemblage, qu'est-ce que ça va être? Un canon aérien à propulsion. Eh ben écoute. Tu peux appeler ça comme tu veux, je te dirai merci. Y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc attends. Il faut que j'aille par là. Non, là. Faut que j'aille dans cette zone. Faut que j'aille dans ce secteur. Dans ce secteur géographique. La porte de 12 mètres là, ça va aller. Hein. Parce que bon, ah, c'est pas par là du tout en fait, c'est par là. La porte de 72 mètres là. Hein. Bon. On va un peu se calmer les gars. On conduit cet engin. Allez, on va prendre la route. What? Pourquoi ça? Waouh! Ah, il y avait une bombe là. Ah, j'ai tiré sur ça. Oh, vraiment. Oh, mais vraiment. J'ai envoyé sur les sur les munitions. Je pensais que c'était une porte. Pardon, je pensais que c'était une porte. Je sais moi. C'est autant pour moi. Pourquoi il tire en l'air? Oh là 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 là, c'est compliqué cette histoire. Laissez-moi rouler. Laissez-moi rouler. Ouais, c'est pas des 4x4, hein, c'est pas fait pour moi. C'est quoi? Ça va être long. J'irai beaucoup plus vite à pied.
ma technique habituelle ici. Je cours, j'escalade. Hier, j'ai joué dans un endroit. J'ai passé 30 minutes pour escalader une paroi. Mais vraiment, j'ai passé 30 minutes d'essai jusqu'à me dire, et si je faisais une montgolfière? En fait, j'ai fait une montgolfière pour passer, c'était assez incroyable. Et j'ai passé 30 minutes dessus, hein. Pour escalader une paroi. Pour aller en haut, parce qu'il y avait une lumière tout en haut, mais la paroi était très, 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 très haute. Mais vraiment, vraiment très, très haut. C'était une hauteur jamais vue dans l'histoire de Zelda. Et donc, j'ai galéré. Bon. Là, par exemple, là, tu vois, là, en fait, je traverse ces parois, moi, dans le noir. Je vois pas ce qui se passe et j'essaie d'y aller. Jusqu'à arriver à la limite. Ah non, là c'est une mauvaise idée. En fait, parce qu'on sait pas, est-ce que... Attends. C'est vrai que j'ai deux tenues pour faire de la lumière, mais ça éclaire pas. Ouais, ça éclaire juste un peu, quoi. Ouais, clairement, là j'atteindrai jamais rien du tout, là. Là, c'est pas le bon move. Ouais, non. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon, faut que je trouve un endroit, faut que je trouve un moyen de passer maintenant. Faut que je contourne ça. Ah, moi, ouais, par là. Par là, par là. Par là, ça peut passer, je pense. Le problème de cette tenue, c'est qu'elle elle est pas efficace, hein. C'est pas une tenue très. Je l'ai pas trop améliorée. Du coup, et puis il me manque aussi une partie. En fait, c'est par là qu'il faut passer. C'est par là qu'il faut passer. Ah ouais, mais là en fait. Ah bah ouais, mais là je passerai pas. Ah, c'est une paroi bloquante. C'est un mur invisible. Enfin, un mur visible du coup, mais. Vous m'avez compris quoi. C'est un mur qu'on peut pas passer, ça. Eh ben, on va faire le tour de la tour. C'est quoi ça? Ah, c'est un champignon. Ah, je me disais, c'est quoi ce truc? Ah ouais. Y a une tour là-bas. C'est quoi cette tenue? Je l'aime pas. J'aime pas cette tenue. Ah, si elle était à fond, j'aurais. Attends, j'ai raté un truc là, non? Oh, c'est bon. Si elle était en 3 étoiles, peut-être que je l'aurais gardé, mais là. Lumière. Par contre, là, c'est quoi? Et c'est quoi cette tour? Ah, attends. On va aller à la lumière. Lumière, lumière, lumière. L'objectif, bien sûr, c'est d'éclairer au maximum, de tout éclairer dans la profondeur. Ça serait bien d'y arriver un jour. Je sais pas si l'objectif est réalisable. Je sais pas si je le. What? Waouh, il s'est mis debout, ce fou. Et Link, tu me fais pas ça, hein. Des crises de folie, tu te les gardes. Oh, il va où là? Voilà. Lumière, lumière. Racine Ichukis. Sous la chaîne d'Ordain. Voilà, déjà on éclaire un peu mieux la zone. Et ça, c'est bien. Du coup, il y a une tour là. Il y a une tour à côté. Cette tour, hein. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Et mon point, il est où? Et mon point, il est de l'autre côté. Ah, ouais, je pourrais pas l'atteindre, mon point. My point and click. Je pourrais pas l'atteindre, je pense. On va aller voir la tour, du coup. Change d'avis. Change de destination. On change de destination. Je vais juste voir ce que c'est, parce que de temps en temps c'est un truc qui sert à rien. Ou bien c'est un truc qui sert à tout, on sait pas trop. Peut-être une autre cachette des Yiga là. On va aller voir.
100. Ouais, c'est ça, c'est une autre cachette des Yiga, ça. Je vais me TP, je vais passer en haut, il y aura le chef des Yiga qui sera là. Je vais sortir, il va me TP au nord, là, dans Akala, au pôle nord, là. On va se battre, je vais le tabasser, et puis voilà, il va partir. Ou pas. Ou pas du tout, même. De toute façon, j'ai un TP, de toute façon, c'est pas grave. Je peux me permettre d'aller ici. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Attends. J'ai pris là, ici. Ouais, je l'ai pris ici. Ok. 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 D'accord, pourquoi pas. J'essaie de comprendre en fait quel serait l'intérêt du jeu de nous amener ici. Est-ce qu'il y a vraiment un truc ici ou bien c'est juste pour l'épée? Ça a l'air d'être juste pour l'épée. Donc on redescend. Apparemment, il n'y a rien à faire là. Bon. C'est pas bien grave. Ok, donc on est revenu là. Moi, je dois aller par là-bas. Ah, putain. Là-bas, ça a l'air d'être un peu fermé. Comme ils ont pas l'air d'être très ouverts ici. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de passage là. Ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de passage. Mais. Parce que quand c'est fermé comme ça, c'est. En fait. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais il y a des rails. Ah non, mais attends. Ah oui, mais ça, c'est le. Oui, c'est le. Le temple du feu. Et je me disais, pourquoi il y a des rails là-bas? Ah, c'est le temple du feu. Ah, attends, hop. Alors bon, on ramasse, s'il vous plaît. Pour moi, là, il n'y aura pas de passage, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Quand il y a ça, j'ai bien compris, quand il y a ces pics là vers le bas, c'est un signe qui te dit tu passeras pas. Mais il y a peut-être un trou. Et comment je peux le savoir si je vais pas fouiller? Je peux pas savoir si je fouille pas. Si je fouille pas, je peux pas le deviner s'il y a un trou ou pas. Je vais prendre une arme un peu. Ça, c'est quoi ce truc en ressort là? C'est quoi ces délires là? Je sais pas d'où ça sort ça. Hop là. Le temple du feu. J'ai galéré sur la dernière partie du temple du feu. Au début, ça allait assez vite, mais la dernière partie, j'ai vraiment, vraiment galéré. Ouais, non, ça, c'est infranchissable. Donc, en fait, je vais faire le tour de cette zone. Poc. On trace ici, tac, tac, tac. Voilà. On voit s'il n'y a pas une lumière. Un petit chauve-souris énervé par les flammes. On va faire le tour comme ça. Ah, attends. Hop, 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 hop. Est-ce que du coup, ça, normalement, c'est bon? Attends. Juste l'arme pour pas qu'elle crame non plus. Voilà. Donc, normalement, là. On est protégé. Protégé, mais on ne voit absolument rien. Au moins, on n'est pas en train de cramer. Mais j'y vois rien. Ça, c'est un problème. Je vois qu'il y a du miasme au sol.
Et où là? Ok. Ah, je pense qu'il va falloir se TP. Non. C'est pas la bonne strat. Là, on passera pas comme ça. Ça, c'est clair, on passera pas comme ça. On passera pas comme ça. Je sais pas comment y aller. Faut peut-être passer. Ah, il y a peut-être un plongeoir ici. Bon, tu sais quoi? Je vais réessayer. Ah, il y a bien un plongeoir à côté. Il y a un plongeoir à côté, il me semble. Attends, je crois qu'il y a un plongeoir à côté. On va aller voir ça. Aïe, aïe, aïe. Là, je me suis entêté à vouloir y aller, et donc je vais faire que ça. Je vais essayer de trouver un passage. Là, ça, c'est un plongeoir, ça. Il y a un plongeoir juste là. Par là. Le plongeoir. Le plongeoir. Ah ouais, par contre, les gars, la pluie, faut arrêter là. Attends. Ouais, on a compris. Il pleut, ça glisse. C'est bon, on a compris. On a compris. On a compris. C'est bon. Il pleut, ça glisse. C'est bon. Maintenant, tu peux arrêter cet effet absolument extraordinaire. Il pleut, ça glisse. C'est bon, on a compris. Plongeoir, il est là. Ouais. Le plongeoir. Je sais pas si j'ai déjà plongé ici. On verra de toute façon. On va plongeoirer dans la plongation de la plongitude. De la plongerie. Donc je vais mettre par. Attends. Non, c'est pas par là du tout. Voilà. Et là. C'est d'aller là-bas. Sylve de Chilori. Ah, voilà. C'est ça qu'on voulait, la sylve de Chilori. Ah! Hein? Attends, c'est quoi ça? Il y a des choses intéressantes par là. Ce serait bien que j'atteigne cette zone qui a l'air très savoureuse. Sylve Korogu. On nous aurait peut-être menti depuis des années, depuis des siècles. Il y a des lumières partout ici. Ah, on y est, on est dedans. Ah, on va se poser là. Ah, attends, parce que là c'est intéressant du coup. Ah, mais purée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je m'en fous des âmes là, j'en ai 1 milliard. Je m'en sers pas, ça m'intéresse pas. Je ramasse celles que je suis sur ma route, puis c'est bon, ça me suffit. Les esprits là. Ah, c'est bon. On est chez les cocos, chez les guiris, chez les cocos, chez les roros, chez les corogous. On est à la maison, les petits. Oh là là, oh là là, vas-y, escalade par contre, mon copain. Attends, je vais mettre ma tenue officielle parce qu'il faut être bien présenté pour voir le corogou. Là, il y a une lumière, ça c'est parfait. Ah, bah écoutez, on a réussi. Incroyable. Et après, là, on se passe par en dessous. Et ah, attends, on va peut-être atteindre le village Korogu, du coup. C'est peut-être comme ça qu'on l'atteint. Ça serait une découverte extraordinaire. Si j'atteins le Korogu comme ça, franchement, alors là. Complètement par hasard, vraiment. De toute façon, vous le voyez bien, je fais le let's play, donc.
Vous vous rendez bien compte quand je fais les choses au hasard? Comme là. Enfin, au hasard. J'essaie quand même de réfléchir un peu, mais... Donc, j'espère que je vais atteindre les cocos, là. Ce serait cool. Oh! Oh! On y est! Forêt Korogu? Incroyable. Ah ouais, c'est comme ça qu'on l'atteint. Il y a un sanctuaire en plus. Oh, parfait. Oh, Mojo! L'arbre Mojo! Le retour. L'arbre millénaire. Bah, attends. Attends, on va parler à Mojo. Qu'est-ce qu'il a, lui? D'accord, je peux pas. Il est où, Mojo? Oh, Mojo! Il est là. On va se mettre sur la stèle pour lui parler. Oh, mes entrailles! Oh, mes entrailles! Qu'est-ce qu'il a? Il est fatigué. Il a mal. Il a mal, Mojo. Mes entrailles, attends. Il y a des méchants qui t'embêtent, Mojo. Ah, parce qu'il a du miasme. Ah, il y a un trou. Attends, on va pas y aller maintenant. Bon, l'épisode il sera un peu long. Alors, on va faire le sanctuaire. Histoire de pouvoir revenir ici assez vite. Alors là, franchement, je m'attendais pas à trouver la forêt des cocos ici. Auberge. Il y a même un commerce ici. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, c'est quoi le nom magnifique? J'ai pas vu le nom du sanctuaire. Musano Kila. Musano Kila. Pension. Il y a un sanctuaire que j'ai pas fait parce que j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Tout simplement. Ah ouais, ça va pas marcher. Ouais. Ah, j'essaie d'arnaquer un peu le truc. Oh, ça tient. Ah, ça tient pas dès que je monte dessus, c'est ça? Non, mais pas. Ah, ben ça tient maintenant. Pourquoi ça l'achète alors? Bref, c'est pas très grave. Oh, comme ça. Allez, go. Ou pas? Ça aurait été un peu trop facile là. Peut-être prendre lui. Et l'envoyer un bon gros coup là. Voilà. Ouais, il y a un sanctuaire, j'ai pas. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas réussi. Du coup, quand j'y arrive pas. Je me prends plus la tête et je laisse. On va faire comme ça. Je monte. Je me pose. Je prends. Ah mais attends, le coffre, je peux pas le récupérer direct. Non. Ah non, mais faut le faire à l'envers en fait. Je fais les choses. Non, faut le faire à l'envers. Faut aller là-bas. Voilà. Voilà. Et là. Et là. Voilà. Ah oui, mais non, mais attends, mais si le truc il marche pas aussi, on fait comment nous?
Le système est bugué, je fais comment moi? Attends, là. Là. Mais c'est pas possible. Leur truc il est bugué. Oh, ils ont fait un système qui marche pas. Écoute. On peut pas le récupérer comme ça. Ok. Attends, c'est pas possible. Leur système est complètement bugué là. Parce que je touche, c'est pour ça qu'elle n'aime pas. Je crois que c'est ça, c'est parce que je touche le bord. Ouf, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Tout ça pour ça. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai tombé. Oh non. C'est pas très très bien ça. Oh, je suis tombé, bah, c'est pas grave, j'ai récupéré au moins le contenu incroyable du coffre et ça m'a remis la caisse. Très bien. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Alors, maintenant, il y a une histoire de suspension. Ah, attends, il va falloir trouver le bon. Quoi que ça, je peux le mettre là. Alors, pourquoi ils m'ont donné ça et ça? Ok. C'est un truc. On va essayer des choses. On va essayer des choses. Je ne dis pas que ça marche, mais on va essayer. Ok, c'est pas ça. Il faut récupérer ça. Vu qu'ils l'ont remis, je pense qu'il faut accrocher ça à tout ce merdier. Ça va pas être facile. Attends, voilà, ça va être compliqué là. Ouh, ça va être compliqué cette histoire. Je pense pas que ce soit ça. C'est tombé. Attends. Trouver bon truc. Récupérer de là. Comme ça. Je peux pas le tourner. Oh là là. Eh, c'est compliqué votre truc là-haut. Sérieux? C'est pas clair, hein. je vois pas la profondeur là. Mais il reste. Ouais, c'est compliqué votre truc là.
Mais... Ah mais... Oh là là là, c'est insupportable. Je suis dessus là. Oh là. Oh là là. Oh là 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 là. Comment on va faire? Je peux pas tourner là. Pas. Est-ce que ça serait pas le deuxième sanctuaire que j'arrive pas à faire? Là vraiment, je comprends pas le truc. Hein. Je n'ai pas la solution. Oh, de toute façon, c'est une boule. C'est une boule, donc forcément. Ça va être... Ah, attends, sauf si je le fais à l'envers, le truc. Je devrais plus accrocher ça. Là. Et là, je prends le carré. Et je accroche mon carré ici. On voit pas du tout ce qui se passe, bien sûr. On peut pas tourner. Ouais, donc c'est un peu au petit bonheur la chance comme on dit. Ah, attends, vas-y, tu veux pas tourner un peu? Je suis tombé? Ah, oh, mais sérieux, putain. Ils auraient dû mettre des barrières quand même pour pas qu'on tombe. Parce que là, clairement, on va tomber tout le temps. Tout à fait le genre de niveau un peu pourri où tu vas tomber tout le temps. Allez! Mais attends, mais c'est du hasard complet là. C'est quoi ce niveau encore? Mais un truc, j'ai un truc que j'ai pas capté, c'est sûr. Attends, si je récupère ça. On va récupérer ça. Oh là, ça fait un sacré bordel. A l'air d'être mieux. Allez, s'il te plaît, le jeu là, là donne-moi le truc là, allez. Oh, pas gentil le jeu. Pas gentil le jeu. Faut me le donner là, c'est bon. J'ai compris ton truc, faut juste taper dans la cible, mais je sais pas comment y aller. Oh là là. Bon, vous savez quoi? Je vais pas rester là 10 ans. Quand j'arrive pas, c'est la vie. On va aller sauver Mojo. On va aller sauver Mojo. C'est le plus important. La forêt Kurugu. Bon, on va sauver Mojo. Parce que Mojo, c'est un peu la base de Zelda quand même.
Le grand arbre. Un arbre incroyable. Alors, c'est par où? C'est par en bas. C'est par là. C'est le plus beau arbre de tous les jeux vidéo. C'est Mojo. Allez, Mojo, j'arrive, t'inquiète pas. Attends, je récupère mon endurance, on sait jamais. Je vais te sauver, mon Mojo. L'abîme de l'arbre, Mojo. Mojo. Ah, il y a peut-être un grand méchant pas très joli et pas très beau. On va voir ça. Il y a peut-être un méchant qui est pas très... Ah, j'ai pas beaucoup de flèches. Vous savez quoi? On fera ça au prochain épisode parce que là, je vais avoir besoin de flèches. Je l'ai déjà battu deux fois cet ennemi. Mais on verra ça au prochain parce qu'il me faut clairement... Je peux pas le battre comme ça, il me faudra des flèches. Bon, mais sur ce, à la prochaine, amis. Portez-vous bien. Bye, bye.